impeccable. Bah, 1er mai, donc ça avance doucement. Bon. C'est le trig, effectivement. Je ne sais pas non plus si vous êtes déjà venu à nos côtés le samedi pour suivre la chasse à cour. Mais peu importe, nous sommes là tous ensemble aujourd'hui autour d'une même cause, demander l'interdiction de la vénerie. C'est une première historique parce que pour la toute première fois ici à Rambouillet, nous sommes rassemblés contre l'une des dernières traditions cruelles encore autorisées en France. La vénerie ou la chasse à cour, ce sont deux expressions qui désignent la même pratique. Et cette pratique, elle consiste, comme vous le savez, à traquer pendant des heures un animal sauvage jusqu'à épuisement, parfois même pendant plus de 5 heures d'affilée. Cette traque, elle est rendue possible grâce à l'utilisation de chiens entraînés, mais aussi de chevaux. Oui, nous parlons bien d'utilisation, parce que ces animaux-là sont considérés comme des outils au service de la chasse et n'en sont pas mieux traités pour autant, bien au contraire. Une pensée émue pour ce cheval de 20 ans qui s'est écroulé devant nos yeux après plus de 3 heures de course-poursuite. Son cœur n'a lâché qu'au bout de 20 minutes d'agonie. Le temps pour son cavalier de demander le cœur lourd, une autre monture. Et bien sûr, je m'adresse aussi aux riverains qui connaissent bien ce problème. N'oublions pas les très nombreux véhicules qui encombrent la forêt tous les mardis et tous les samedis de septembre à mars, sans compter les intrusions dans vos propriétés privées quand les animaux viennent s'y réfugier. Nous sommes des citoyennes, nous sommes des citoyens, nous habitons Rambouillet, Poigny-la-Forêt, Saint-Léger-en-Yvelines, Montfort-la-Meurie ou d'autres communes parfois beaucoup plus éloignées. Mais nous représentons tous ensemble le collectif AVA. Abolissons la vénerie aujourd'hui, car nous en avons assez. AVA, c'est un collectif national qui a été fondé en 2017 par nos amis de Compiègne. Depuis 2 ans, 19 antennes se sont constituées au fur et à mesure et partout en France, de la Bretagne, en passant par la Touraine jusqu'au sud-ouest. Cette année, nous avons surveillé 250 chasses. 700 membres AVA sont sortis dans 20 forêts françaises. Quelle que soit notre forêt, la même détermination nous habite. La même détermination pour dénoncer ce qui est aujourd'hui le vestige d'une autre époque. Une époque où l'animal sauvage pouvait être torturé et assassiné sans aucun scrupule, sans aucun état d'âme, sans jamais se poser la question de ce qu'il ressent, lui, dans sa chair et dans ses émotions. Aujourd'hui est le dernier jour d'ouverture de la chasse à cour et cette première saison de mobilisation à Rambouillet a été éprouvante pour nous. Nous ne lui adressons qu'un seul message aujourd'hui, bye bye. Quelle joie pour les cerfs, quelle joie pour les biches prêtes à mettre bas, quelle joie pour tous les autres animaux sauvages de ne plus avoir à supporter 2 fois par semaine le harcèlement d'une meute prête à tout. Je ne parle pas des chiens ici. La meute, croyez-moi, elle est derrière cette 20aine de cavaliers dignement dressés sur leur monture. Et n'oublions pas ces dizaines de suiveurs qui n'attendent qu'une seule chose, se réunir devant les restes d'une carcasse sanguignolante d'un pauvre animal laissé aux chiens. Quelle joie de ne plus pouvoir enfin faire autre chose de nos samedis. Quelle joie de ne plus avoir à croiser ces gens qui ont montré leur pire visage en forêt. Pour information, 26 plaintes ont été déposées à leur encontre depuis le début de la saison pour injures, insultes,
sexisme, diffamation, menace de mort ainsi que coups et blessures. Bien plus qu'un bye-bye, c'est un adieu que nous voulons dire à cette barbarie. Nos actions, guidées par une charte, se sont toujours déroulées dans le strict respect de la loi. Nous sommes convaincus que c'est en agissant pacifiquement que l'histoire peut prendre un autre tournant. Faisons en sorte que la vénerie ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Ces notables et ces chefs d'entreprise qui s'autodésignent comme les héritiers d'une noblesse déchue et qui s'approprient nos forêts dans un besoin insatiable de domination sur toute forme de vie. Abolissons la chasse à courre !
Allez,
Bonjour.